précédemment. Nous avons repris l'entraînement après la crise du Covid qui a touché le club. Nous vous avons présenté notre nouveau sponsor, OneFootball, et nous nous sommes préparés pour notre premier match de championnat face à Chambourcy ASM2. Premier match de la saison là. J'ai cogité, ouais, premier match de la saison. Tu te sens comment? Je me sens excité. Il n'y a pas trop de pression, mais je suis excité de ouf. Parce que l'année dernière, j'ai pas joué avec eux. Et là, je vois qu'il y a une bonne équipe de ouf. C'est-à-dire, ouais, je suis excité et je suis pressé de jouer avec eux, voir ce que ça donne. Et déjà, ils t'ont rincé là pour le premier match. De ouf. Putain, j'avoue, ça pète. Rouge blanc comme ça là. Bah ouais. On a vraiment de la chance parce que le terrain, il est vraiment incroyable. La pelouse, elle est nickel, tendue, parfait. C'est le meilleur terrain sur lequel on a joué depuis la création. Et tu sens comment pour le match? Je me sens bien. T'es en forme? Je suis en forme. L'objectif, c'est clean sheet comme d'habitude. Ça fait plaisir de jouer un match de district sur un vrai terrain. Première fois qu'il n'y a pas la flaque. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de flaque devant la cage. Que du plaisir. Faire attention au balle au-dessus avec le vent. Ouais. Et il va essayer de prendre le côté avec le vent pour nous, on peut en mi-temps s'il peut. Moi j'ai fait ça comme con quoi. T'as mis deux attaquants hein, comme ça. Ouais, parce que en fait le terrain, est-ce que j'ai fait trop mal, le terrain il est super petit. Ouais. Et en largeur il est pas ouf. Ayman, ça fait 2 ans qu'il a pas joué du coup pour nous. Enfin, ça fait très longtemps. Et là c'est son premier match. Même le banc hein, en soi. Ouais, non, franchement, on a une très très belle équipe. On vient finir de s'échauffer. Tom, tu te sens comment avant ce match? Content, je suis très content, je suis pressé de jouer. On va voir ce que ça donne, on est sur une belle pelouse. On va tout donner, on va voir ce que ça donne. On est pas bien passé. Mais là, c'est du coup, on est à chaque fois qu'on défend.
trop écartés les uns des autres. Du coup, par exemple, le défensif il va relancer sur Vincent. Vincent, il va regarder devant lui. La première mi-temps, on a joué avec un système qu'on avait jamais testé au début du match. C'est-à-dire, on a galéré un peu. Mais au final, ça s'est bien passé. Hein. Là, il y a 1-1. On a le vent avec nous. Là, on a eu le vent contre nous. On va devoir faire avec. Hein. Mais on a l'effectif pour. Reste à faire cette première mi-temps. Comment tu t'es senti? Ça va. Hein. Faut trouver ses marques, des automatismes avec les coéquipiers. Mais sinon, en vrai, ça va. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué aussi. Ouais, ça fait longtemps. En plus, là, avec le vent contre nous, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais là, deuxième mi-temps, je pense que ça va le faire. Allez là, une victoire, c'est parti pour la semaine. Moi je me suis fait mal, mais je suis fier parce qu'on a une équipe. Blessé, vraiment blessé. C'était dur hein. Il y avait du vent, mais non, comme d'hab, première mi-temps on n'est pas bon, on n'arrive pas à se trouver. Et deuxième mi-temps on a trouvé, je pense que l'équipe adverse a été fatiguée, on a trouvé les petits espaces et j'ai marqué du pied droit. La victoire, premier match, première victoire. Non, ça fait plaisir, match compliqué franchement. On a mi-temps, on a eu le vent contre nous, on se fait presser trop, c'est pas facile, on n'arrive pas à sortir les ballons, on fait quelques erreurs. Mais deuxième mi-temps, on a fait le taf. Tu peux nous parler du match de dimanche? Dernier. Dimanche, il était bien. J'ai bien aimé parce que c'était notre première victoire en championnat. C'était bien. À la mi-temps, je me suis blessé. Sur un vieux contact, je suis tout seul en sautant à la réception. Mais sinon, ouais, je suis content que l'équipe allait gagner. Au début, c'était un peu serré. On marque en premier, après ils reviennent. Après, ils déroulent et franchement, ça faisait plaisir. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va toi? Passé une bonne semaine. Un peu pluvieuse. Hein. Temps un peu maussade, on sent que c'est fini l'été. Mais sinon, ça va, ça se passe bien. Ouais. Sur le petit terrain, tout ça. On a gagné la semaine dernière. Ouais, tu peux nous parler du match, justement? De dimanche dernier? Ouais. Ouais, bah, très bonne victoire. Très bonne victoire. Pas facile, hein, 4-1, mais ça reflète pas vraiment le niveau du match. On a marqué, je crois, dans les 20 dernières minutes, on en met 3. Mais il y avait une bonne équipe de Chambourcy, ils nous ont mis un gros pressing en première mi-temps, on a eu du mal à s'en défaire, on s'est pas bien trouvé dans le jeu, etc. Puis en deuxième mi-temps, on a repassé en 4-3-3, on a joué un peu plus haut et on a fait la différence parce que cette année on a du monde et que ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Donc c'est une bonne première victoire. Black Diamond. Alors, quel est le cocktail sans alcool le plus musclé? Je sais pas. Le judo. Ah, le judo. D'accord, le judo. Ok. Merci. Et moi, je vais vous dire un truc. Dites à vos mamans que vous les aimez tous les jours. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer le lendemain, le surlendemain, la veille et tout. Donc voilà, c'est pour ça. C'est bon, enchaîner après cette blague de merde. Franchement, enchaîner d'une blague, galipette. Bravo. Super. Merci. Là, il faut repartir en galipette. Alors, je t'aime.
repart en galipette. Tu veux une blague? Ouais, y'a Aymen pour ça, mais vas-y. Aymen, Amine! Les abonnés avec la mine blague. Ah, mais j'ai déjà dit tout à l'heure. J'en ai une autre si tu veux. Vas-y. Attends, je cherche. Je l'ai fait tout à l'heure, wesh. C'était quoi? C'était. Non, mais attends, je te dis. J'ai une blague. Mais elle est trash. Elle est pour. Non, elle est pour les gens de notre génération. Enfin, les gens âgés un peu. Ça dénonce la société. Bah, fais ta blague, maintenant, okay. C'est trop long, wesh. C'est quoi la différence entre un oiseau et un politicien? Vas-y. Des fois, l'oiseau s'arrête de voler. Oh. Merci, Amen. Bah, ça dénonce, ma gueule. Ouais, mais c'est de là. Elle était bof, ma gueule. Et Brice, vous faites concentration au dimanche au Saouet, ou Saint-Germain-Léo, ou Magnonville, ou Manchala-Jolie, ou Disneyland McDonald's. Moda, s'il te plaît, mets-les dans le montage. Tu te sens comment avant les matchs de ce week-end? Ah, moi, je suis pas sûr de jouer encore. J'étais pas là pendant 2 semaines, blessure au dos. Enfin, blessure, douleur. Tu peux nous dire un petit mot avant le match de ce week-end? Comment tu t'en? Plutôt positif, hein. Après la victoire de dimanche, c'est plutôt positif, hein, toujours après une victoire. Mais c'est que le premier match et il n'y a rien de fait. Et toujours une petite appréhension avant le prochain match, forcément, parce que c'est le début de la saison. Donc on n'a pas rencontré toutes les équipes, donc tant qu'on n'aura pas rencontré toutes les équipes, on ne saura pas. Mais j'ai confiance en mes gars. Waouh! Eh, ça faisait longtemps que c'était pas vu, hein. Ça faisait longtemps, franchement. Ça me fait super plaisir d'être là. J'ai l'impression d'être à nouveau, alors que c'est ma deuxième année ici. Non, franchement, ça fait plaisir. Je vais essayer d'être un peu là plus souvent, mais tu sais, avec les vacances, mon déménagement, accessoirement mon enfant, mais bon, ça c'est vraiment... Sartek. Merci. Mais franchement, ça fait grave plaisir. Et comment Miss KFC? Comment tu sens? Premier match titulaire. Non, je vais tuer ça aujourd'hui, j'en suis sûr. Là, je vais tuer ça. Je parle, hein, mais je vais tuer ça, j'en suis sûr. C'est ton premier match du championnat. Premier match du championnat. Le match de Coupe de France était bien passé pour moi. C'est du grand n'importe quoi. J'ai marqué, j'ai fait une passe D. Là, Maxime refait confiance. Si tu as gauche ou à droite, on va changer avec Ibou. Je sens bien aussi. Le retour en défense centrale là. Ouais, le retour, parce que Fabio il est pas là, donc on va. Toujours un peu blessé. Qui ça? Fabio. Ouais, toujours un peu, mais c'est un gré. C'est un gré, il va revenir vite. Il revient la semaine prochaine. Mais bon, on va gagner ce soir. Enfin, ce soir, tout à l'heure. Enfin, cet après-midi, quoi. Ouais, t'as compris. Ouais, j'essaye une nouvelle méthode. Stabilité. Voilà, c'est mon nouveau dada. C'est parti.
happy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. I been on a flex, that's flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. C'est comment le buteur? Non, là il me fait sortir un petit peu à la mi-temps pour remettre de l'impact vers la 70e. On est en place, franchement, on n'a jamais aussi bien joué, je pense. Et voilà, on passe à la deuxième mi-temps, attention au vent. Et comme Edwin Skepsi. Capi, comment s'est passé cette première mi-temps? Bah écoute, je trouve qu'on a très très bien joué. Donc on s'est fait plaisir, on a mis en place les consignes du coach. On continue comme ça dans la deuxième période, on ne mène que 1-0. Hein. Faut faire attention aux erreurs qu'on peut commettre, mais si on continue comme ça, je pense que ça va le faire. T'as pas eu trop de boulot Non, pour un deuxième match de championnat, non. Ça va. C'était assez calme. Assez calme. Très bien. Est refusé pour Saint-Germain-en-Laye pour une faute sur Gauthier, notre gardien. Malheureusement, ce but est refusé. Pour nous, on avait vraiment la rage. But hors-jeu, du coup, c'est très 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 limite. Bon, on ne sait pas trop s'il y avait vraiment hors-jeu ou pas, en tous les cas. Voilà, c'est comme ça, ça a été sifflé par l'arbitre, c'est dommage, mais bon, il faut s'en remettre à sa décision. Ok, du coup, là, on a la fin du match, face à Saint-Germain-en-Laye 2. Première mi-temps, excellente, on n'a jamais aussi bien joué, comme j'ai dit, dans les vestiaires aux joueurs. On a été très 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 bon au niveau des passes, etc. C'était assez fou. Le travail en triangle, c'était vraiment super. Après seconde mi-temps, on a été beaucoup moins bon. On avait un peu le vent contre nous, ça joue un petit peu, mais on a moins bien joué. Les mecs aussi en face, ils voulaient absolument ne pas revenir avec une défaite, donc voilà, c'est compréhensible. Je pense que c'est une équipe qui va jouer, je pense, le haut de tableau. Voilà, l'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube. Et pour ce qui est du classement, on est actuellement 4ème avec du coup 4 points en 2 matchs. Allez, peace, comme un Vince KFC. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't